à tout le monde, c'est Sokou49, bienvenue pour le sixième épisode de Is the War Celeste 2, la map full survie sur PlayStation. Soit la 4, soit la 5, même il y a la croix aussi. La dernière fois, on a fait un rôle de, comme on le dit dans le titre, un rôle de colisier. Alors, pour le fameux bassin des tortues, j'ai fait un test en créatif et le mieux c'est boucher tout ça. J'ai mis les barrières de chaque côté. Donc on finira à mettre les barrières de chaque côté, voire mettre des portillons pour qu'on passe. Donc chacun de crafter des barrières, il en faut pas mal. Donc voilà pourquoi j'ai un peu de bois sur moi. Et dans l'eau, j'ai commencé à limiter la zone pour que les tortues soient dans l'eau et qu'on essaye de me multiplier avec les herbes. Ensuite, on fait un point sur la map hein, pour l'instant. J'ai refait un peu le temple de la jungle. Là, j'ai pris modèle, j'ai pris des coups de crayon. Normalement, le toit ce sera maintenant est 2, mais je préfère de faire de croix de taille. Ce sera beaucoup mieux. De toute façon, après, ça va dépasser parce qu'il y aura des escaliers qui va monter juste en haut et on aura le bas à finir ensemble. Donc voilà. Ensuite, vite fait, il y aura. Est-ce que je vous fais une surprise ou on fait ensemble? Je pense qu'on va faire ensemble. J'ai commencé à aller chercher du sable pour faire un vrai colisée de Rome qui va être ici. Je pense que je mettrai de la terre un peu partout pour que ce soit un peu équilibré, que ce soit grand. Donc voilà. Donc j'ai commencé à chercher du sable qu'on consommera en stone et etc. C'est pas de la stone, mais bref. Et on a toujours le projet de la du temple aquatique. En attendant, je vais faire les barrières en attendant. Ça va m'avancer pour les épisodes à venir. Dans les épisodes à venir, pas mal de choses, beaucoup de découvertes. J'ai été en la map, j'ai réussi à copier la map et à faire en créatif, pas celle-là mais une autre. Et j'ai découvert un super truc dans le dans le désert. Donc je vous dis pas plus, je vous dis pas moins. Sinon ce serait pas marrant. Que je veux dire, ça sera fait plus. Ah non, je vais peut-être un établi ce coup. Et pas mal de choses à découvrir. J'ai parcouru la map entière pour trouver un bon abri. Non, c'est pas la bonne chanson, mais j'ai un peu exploré la map vu que c'est un monde très ouvert. Donc j'ai fait pas mal de découvertes et peut-être un espoir de trouver un village PNJ avec des fioles d'ISP, parce qu'on en a, faut que j'en fasse sur la map. Faut que j'en ai sur la map parce que je viens de finir le stuff que je voudrais. J'ai fini le stuff, donc il manquera quelques équipements, peut-être quelques potions pour le Nether parce que ça va vite cramer. On va dire que ça, il faudra bien s'équiper de notre armure, créer résistance, le pomme de notch et que quelques potions. Oh le pauvre bête.
Donc aujourd'hui, on va essayer de terminer notre temple, comme ça fait une construction de terminer. Après, si on finit pas dans cet épisode, ce n'est pas grave. On essaiera de la finir, mais. On essaiera de la finir, mais si on la finit pas, on fera d'autres constructions. Donc, oui, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Qu'on va parler aujourd'hui. On va parler un peu vite fait de la map. Hein. Ça fait le sixième épisode. Donc, moi, je suis content de faire cette survie solo. Hein. Faut pas se mentir. Hein, je suis tout seul à faire. Aller chercher les blocs. Faut que j'aille chercher du sable pour le coliser, faut que je regarde des vidéos, comment ça se construit. Pas mal de choses à faire. Vu que j'avais un petit creux, maintenant je dis, on est samedi, donc je vais tourner parce que dimanche je ne suis pas là. Fête des grands-mères. Et oui, il faut profiter de ses grands-parents tant qu'on les a. Si c'est pas dans la tombe qu'on va les pleurer quand ils sont au-delà des étoiles. Donc voilà. J'ai pas eu de retour de dernier épisode, mais voilà, c'est comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc je sais pas si ça vous plaît. Je sais, franchement, hein, je suis honnête, hein, je sais pas si ça vous plaît. Est-ce que je sais pas si. Ouais, je sais pas si. S'il y a assez vidéos. Trop de vidéos. On est à 2 vidéos par semaine. Je voulais en sortir une, mais ça n'a pas fonctionné. Pas mal de choses. Ah, bricoler. À bricoler. Donc, voilà. En connaissant la map, ça avance. Elle avance très bien la map. Hein. L'effet que je joue tout seul, ça avance plutôt pas mal. Je voudrais avancer un peu plus vite, mais. Les pauvres moutons, ils prennent cher. Donc, c'est difficile de bosser tout ça parce que j'ai personne pour aller chercher tes blocs. Il faut que je fasse telle construction, donc il me faut tes blocs. Il n'y a plus la duplique. J'ai pas mal de choses à réparer sur la map. J'étais au portail de Lane, j'ai tenté une duplication et. Ça marche pas, donc faut j'ai envie de la réparer. Pourquoi pas aller sur une autre sur et j'ai gardé Iso Bitmap, hein. On peut y retourner dans un épisode hors War Celeste, hein. Voir ce que on peut. J'ai l'usine à faire à l'ancienne à réparer. J'ai une autre construction à. J'avais début construction, j'ai commencé mais j'ai pas terminé. Donc on pourrait y retourner et essayer de d'avancer en épisode bonus. Se rappeler des moments oubliables de cette map. Hein. Et franchement cette map c'est ma meilleure map que jamais été construite. Hein. On a bossé dessus. On s'est engueulé dessus, on s'est fait charrier dessus, pas mal de. Pas mal de choses. Donc, voilà. Ouais, c'était génial cette map. Hein. Elle était avec. Il y avait Clem Zombie, Ludo, Tortox, je sais plus comment il s'appelle. J'ai des nouvelles hein, de temps en temps. Hein. Ils ont pris contact, ils vont bien.
Dortox, il a, je crois qu'il a, il est sur, il est m'indiqué sur PC. Clem, il est sur PC aussi. Ludo, il est encore sur console, mais je sais pas s'il voudra participer. Ça va être pas mal. Après, il y a d'autres joueurs hein, aussi qui sont venus sur la map, qui ont fait des belles constructions. On les a gardés. Hein. Ah, l'usine à squelettes, l'usine à zombies. Il y a pas mal de choses. On a eu pas mal de constructions dessus. Et je pourrais pas la supprimer. Bon voilà, l'intérieur, ça y ressemble. Donc maintenant, on va faire le sol. Hein. Et on mettra. Je sais pas s'il y a les escaliers. Donc ça sert peut-être pas à grand chose que je fais. Ça mieux poser des escaliers directs. Et après il faudrait que je retourne pour voir combien ça fait de chaque côté. Donc je vais faire au-dessus. Alors attendez, je vais prendre mes notes. Alors mes notes c'est indéchiffrable. Donc 5. Sixième et croix dessus. Ça c'est. Et là on a quoi? Là c'est le plan. Pour 15 sur 2. Moi ouais, je me suis pas. J'ai pas trop compris. Je me suis pas compris. Ah oui, c'est les escaliers. Les escaliers, c'est croix, ouais, croix dessus. Donc, ça fait 1, 2, croix. Établi. Je peux l'établir. Établi. Il n'y en a pas ici. C'est pas. Non mais on lui fait. Ouais, j'adore changer ce sujet comme ça. Mais vraiment, on lui fait à la Isobi Map. Et waouh, quelle map magnifique. Je sais pas quelle année on l'annonce. Ah, il faudrait que je retrouve ça vite fait. Ouais, je vous retrouve ça. Même. Alors, Isouro Céleste, c'est un peu complexe à savoir. Parce que. J'avais un fichier corrompu et j'ai recommencé. Ouais, mais j'ai. Mais tout ça de A à Z. Il y a quelques personnes qui ont construit. L'ange, c'est pas moi. La maison Cobble, c'est pas moi. La maison Fond. Ah oui, Batman! Ah, Batman, ah oui. Avec son. Ah oui, je me souviens de. Ah oui, c'était. Ah si, il y a les escaliers en bois, monsieur. Ah, pas parfait. Ah oui, c'est. Ah, c'était. C'était. C'est pas les. Ils étaient pas les pires, mais. Ouais. Ah, c'était. Le bon temps. Qui gérait toujours. Donc. On va commencer. Ok. Justin. Mon plus 4. Ah, la map, on avait fait, je crois, 45 épisodes dessus. Les croix pro les. Ouais, j'ai les croix premiers épisodes, c'était en solo. Clem a rejoint. Après, il y a plein de gens qui m'ont rejoint. Je sais pas si Tortoise il était dans la vidéo, je sais plus.
Je ne sais plus s'il a fait une vidéo avec moi sur la map. Oh, ils vont bien. J'ai des nouvelles. Je peux avoir des nouvelles si je veux, mais. Voilà. Quand je dis, hein, quand je veux. Ah. Le bas vient de temps de la map. Le vieux temps de la map. Ah ouais. Ma date de la map. Hein. Elle date. Je vais vous chercher ça tout de suite. Attends. Je vais chercher mon PC. Mon PC 2.4. Non, ça fait pas comme ça. Je veux dire, quel. Quand on a commencé en épisode. Je veux dire, le jour de sa construction. Alors, attends que j'allume mon PC. Voilà, deux chevaux. Il y a deux chevaux le PC. Voilà, voilà. Donc, il faut qu'on enlève ça. Avec notre. Alors, que j'enlève bien. Donc là. Alors, je mets juste le petit code des familles. Alors, YouTube, faut que je branche mon PC. Il a plus de batterie. Voilà. YouTube. La chaîne. Playlist. Je vais couper mon son. Alors, is bimap. Il y a 45 épisodes. Et la première vidéo. Ah! Ah là, elle est en 2016. Ah, date la map. Désolé, moi je prends une calculette. Une calculette. On est en 2021. Oui, vous savez, mais moi je suis nul en mode 2016. Ah là, 5 ans la map. Ah, ça fait 5 ans. Alors attends. Clem, il est venu quand? Clem, il est venu vers le 10e et au 15e épisode. 11e épisode. Ouais. Ouais, je me souviens de. Je regarde. Ouais, j'avais fait un immeuble qui servait à rien. Qu'on pourrait refaire, c'est il y a la maison, il y a la le château de glace que j'ai pas terminé sur la map. Hein. Il y a un château de glace, et ouais, on avait commencé un château de glace qui je vais pas vous mentir, qui servait à rien, qui servait à rien. Il ressemblait pas trop à un château de glace. Plutôt un château d'eau croisé avec un benjamin. Oh, j'ai raconté des conneries. Non, il ressemblait à rien. Il y a quoi? 20 épisodes, 20 minutes. Allez, on va y aller les faits. Oh, tant pis, hein. On parle de la map. Alors, ça c'est la version créatif et c'est la version survie. Oh, allez, on y retourne. C'est un bonus. Ça fera des vues.
te parle. Voilà, donc là on est sur Is the Bebop. Vous vous rappelez, ici au fond, je l'ai récupéré. Au fond, on avait une arène de PVP sur. Je crois que c'est 2 x 64 blocs. Sur 120. 100. 128 blocs sur 128 blocs, ouais. J'avais fait une grande arrêt PVT. On va rappeler la maison que t'as jamais fini de construire, elle est presque finie. Il faut la montrer vu faire. Là, c'est le gros. Ah, de Erasor! Mais oui, non, Erasor qui est venu. Ah, je me rappelle, ah, c'était un bon gars, Erasor. J'aime bien le garçon. Là. Enfin, à force en parler. Ça, c'est une maison qu'un joueur avait commencé, il l'avait jamais, mais vraiment jamais. Elle est belle la maison, hein, c'est moi qui l'ai fini. Hein. La croupe magnifique. Voilà ce que ça donne. Bon, l'épisode durera un peu plus longtemps prévu. Voilà, et puis les escaliers. Je vous montre pas. Oh, c'est je vous montre tout. Donc, j'ai fait un gros bloc pour faire les escaliers. Là c'est pareil et là c'est le toit. Donc je finisse le toit. Bah le toit et l'intérieur. Donc là vous savez vous rappelez de la le centre Pokémon de la bouffe. D'accord, Creeper de reculé. Heureusement c'est du bois. J'aurais dû me mettre en pacifique mais c'est pas grave. L'immeuble qui a été construit, qui était. Je l'ai. En V. On a mis des prix, vous vous rappelez, des prix. Des prix. Et des prix de chaque maison. Moi au début, j'étais pas fan des prix. On a toujours. Là ça c'est la grande mine. Ça c'est. Dressant le petit dôme que Erasor avait fait, ça c'était la boutique de Clem. J'avais fait un truc pour YouTube, l'arbre perché, une petite maison, la petite forêt qu'au fond, cette maison là, la deuxième mine, le Fallender à 200 euros, Crook. Le faux Lander. J'ai tenté un prank, mais mon prank il n'a pas marché. Je me rappelle très bien. L'usine à zombie, l'usine à squelette, elle est là-bas. Le spawn. On avait fait de A à Z. Là. Le symbole de la map, le phare. Cette maison elle est super chouette. Je sais plus. L'homme. Ah, c'est dommage qu'avec le téléphone j'aurais bien voulu montrer là. Je me rappelle de cette maison, c'est que on avait commencé à construire avec Clem et j'avais oublié. Et avant on pouvait enlever la sauvegarde auto. Et j'avais oublié de prendre la sauvegarde auto et on était obligé de recommencer. On avait un chemin pour chaque. Passage. Donc là on avait une maison à passer là, on avait un passage pour le Nether. Donc la maison de base elle était pas, franchement elle était pas, j'avoue qu'elle était pas ouf, j'avoue qu'elle est pas ouf. Est-ce qu'on attend? Allez. On attend, ça va. Le hors sujet de la vidéo. Allez, j'avais fait une grande télé. Non, mais on fera un War Tour. Un C4. Si vous manquerez. Ça, c'est rien le spawn.
Mais je vous dis que avant tout ça, il y avait des montagnes. On a terraformé, on a bossé, mais un grand de malade sur cette map. C'est ouf d'ici. Ah, c'est ouf ici. Bah, il y a toujours la playlist. Hein. Si vous voulez la regarder, n'hésitez pas. Hein. Vu que je regardais le youtubeur Sifano, il avait créé Celestia et ça m'a vraiment inspiré et je voulais vraiment avoir ma propre map avec des joueurs super cool. Ouais, je suis tombé sur comme des pires joueurs comme des bons joueurs. Non, la plus grosse map que j'ai construite, c'est avec des. Oh, ça date avec des 11 joueurs. C'est un château, mais full survie. Ah là là. On a bossé sur ce château, on a bossé. On a bossé sur le château. Ah, château full survie. Ouais, on était des timbrés, c'est pas clair. Des timbrés. Quand on avait un bon week-end, on bossait sur la map. On était trois modos. Et le chef du serveur. Ouais, c'est ça, on était trois modos et pour un serveur. Moi j'avais mes modos aussi sur la map. Alors Clem était le premier modo. Ludo a rejoint. Je sais pas si je me rappelle plus si Torto c'était modo. Ouais, il était modo mais un peu plus tard parce que c'est lui qui bossait le plus et moi j'ai pas voulu. Après j'ai réfléchi, il m'a donné raison. Ah, quel bon souvenir de la map. Franchement, moi on s'est tiré les cheveux, mais franchement, moi je garde que des bons souvenirs. Bon, les mauvais souvenirs, moi j'ai déjà oublié. Moi. Faut faire voir. Il faut oublier parfois le passé. Mais c'est un peu douloureux. Hein, on s'est crêpé les chignons hein, par les joueurs. Hein, on rage quitte. Un coup, ouais, t'es plus modo. Ah, t'es revenu modo. Ah, je sais plus si les escaliers c'était avant ou après. Oh, c'est pas grave. On lance avant. Sinon, j'y retournerai en off pour savoir. C'est plutôt à côté, moi, je pense. Ouais, je suis pas obligé de faire pareil que le temple. Mais au moins, le respecter. Bon voilà, c'était un peu l'anecdote de Easy Map. Map vraiment. Franchement, c'est une map que je regrette de ne pas avoir pu continuer avec plusieurs joueurs. C'est la seule map que je regrette. On a chié pour la construire et. Personnellement, ça m'embête un peu de l'avoir laissé un peu tomber. Après, j'ai fait une partie
solo et ça n'a pas trop fonctionné. Alors le bas c'était croix, mais tant pis, on va faire les 4. Plus avec un ça correspond pas. Ça fait peur l'orage. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc voilà, moi personnellement, j'ai aucun regret sur la. Aucun regret. Moi personnellement, moi j'ai pris plaisir. Après, les autres joueurs, je sais pas s'ils ont pris plaisir à jouer à mon compagnie, mais moi je garde que les bons souvenirs. On a bien rigolé. À chaque fois qu'on voulait faire une vidéo, ça se passait super bien. Voilà. On va laisser grand ouvert comme ça. Et voilà. Bon, on n'a pas encore grand chose. On a parlé un peu de Is the Bimap. On a fait un vivant en opération. Donc la prochaine fois, on finit le bassin des tortues. Je pense que si on a fini le bassin en parallèle. On finira le temple, il a vraiment bonne gueule. Donc il n'y aura plus qu'à faire le toit et faire deux croix d'écho avec les lianes. Et il sera fini, on fera l'intérieur. L'intérieur, je prendrai une note. Et puis voilà. Donc la prochaine fois, on finit le bassin. Moi je continuerai à aller chercher du sable pour le coliser et terminera les constructions avant de passer à l'exploration. C'est l'exploration, on aura pour un bon moment. Après, on peut faire l'exploration l'exploration, mais ça va durer. Pas mal d'épisodes, mais après on peut faire une pause. Mais moi je veux finir mon bassin, il y en a pas pour longtemps. Il y a juste à passer les. Je pense que je mettrai les barrières de ce côté-là et on finira ensemble les barrières. Et puis voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. On a visité Is the Bimap, donc la map qui était aussi full survie. Je vous rappelle, elle était full survie. Donc, il y a les trophées aussi. Hein. Il n'y a pas de riche. Bon, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous demande, mais vous faites jamais. Mais bon, c'est pas grave, je me dérange pas. Et activez la petite cloche pour rien louper. Je vous dis à une prochaine fois. Et je vous dis bye tout le monde.